Il est 9h05 et notre enregistrement est sur le point de démarrer sur le plateau du studio 107 à la Plaine Saint-Denis, près de Paris. Julien Courbet et son équipe échangent d'ultimes informations sur les dossiers de ce soir avant de se mettre en place. Il y a escroquerie quand le montant est manifestement disproportionné par rapport au service qu'on vous rend. Nous avons 10 heures à partir de maintenant pour régler le problème d'Aurélia, Carole et Catherine. Elles voulaient maigrir, leur médecin les a mutilées. Je crois que la terre s'effondrait, quoi. Où on m'a retiré 110 abcès. C'était horrible. De Sophia, qui aurait été licenciée parce qu'elle était enceinte. T'es sympa, t'es honnête, tu fais tout ce que tu peux, tu te bats, et au final, on te poignarde dans le dos. De ces deux couples de voisins qui se déchirent à cause d'un mur mitoyen. Je ne leur en veux pas. Mon petit-fils dit bonjour monsieur, on lui répond pas. Vous avez pas le droit d'être en colère. Bonjour à madame, on lui répond pas. Il a que 3 ans, la politesse c'est la politesse. C'est un sans aucun doute mémorable où il sera question d'amitié, d'abus et naturellement d'argent. Ça fait depuis le mois de mars qu'on n'a pas de nouvelles de toi. Et c'est ça, vas-y pleure, t'as raison. Sur le terrain, les journalistes sont prêts. Dans la salle des appels, les téléphonistes sont prêts. Dans la régie finale, tout le monde est à son poste. Allez, tout le monde se met en place d'urgence. Nous commençons par le cas d'Aurélia, Carole et Catherine, pour qui rien ne sera jamais plus comme avant à cause d'un médecin. Il est 9h30, voici leur histoire, signée Kaina Haït. Quand elle m'a annoncé que j'avais attrapé cette infection nosocomiale, j'ai cru que la terre s'effondrait, quoi. Où on m'a retiré 110 abcès. J'ai cru qu'un chien m'avait croqué, quoi. C'était horrible. Je me sens mutilée. Tant que je verrai mes cicatrices sur mon corps, je ne pourrai pas tourner la page. Aujourd'hui, je l'en veux énormément. C'est un cauchemar parce qu'on se dit que c'est pas possible, on va se réveiller. Je m'efforce à penser qu'elle se fout de nous depuis 8 mois. J'ai envie que ça se termine, en fait. Catherine, 50 ans, mère d'une fille de 15 ans. Après avoir traversé de dures épreuves, une rupture sentimentale et un licenciement, elle souhaite retrouver confiance en elle pour profiter pleinement de la cinquantaine. À la suite de l'arrêt du tabac, j'ai pris quelques kilos. Hein, pour rester coquette, je vais vous dire quelques kilos. En fait, j'ai pris pas mal de poids. J'ai fait un régime à long terme avec un nutritionniste. Ça s'est très bien passé. Et il m'a suggéré, pour améliorer l'état de ma peau, de faire quelques séances de mésothérapie. Chose que j'ai accueillie avec enthousiasme parce que j'en ai déjà fait dans ma vie et que j'ai jamais eu de problème. La mésothérapie anticellulite est une pratique qui consiste à injecter un traitement à travers la peau grâce à un pistolet muni d'aiguilles. Cette technique est utilisée pour affiner la silhouette. C'est l'annuaire et le hasard qui vont orienter Catherine vers une mésothérapeute qui est aussi et surtout médecin généraliste. On appellera cette femme le docteur X. Rassurée par ses diplômes, elle commence le traitement. Mais très vite, au bout de la 4e séance, son corps réagit violemment. Je me suis aperçue que j'avais des petits nodules sous la peau, dans les cuisses. Je lui en ai fait part. Elle m'a dit que je faisais probablement une réaction allergique à l'artichaut, puisque dans le produit qu'elle utilisait, il y avait de l'artichaut. Dans le cabinet du médecin, Catherine est surprise de découvrir une allergie qu'elle ignorait jusque-là. Ce diagnostic la laisse perplexe. Pourtant, elle poursuivra les injections lors d'un nouveau rendez-vous. La séance d'après, ça avait augmenté un petit peu et j'avais sur la hanche droite comme un espèce de gros bouton rouge. Et je lui ai dit, c'est pas normal. Donc elle m'a dit, bon, on va arrêter de piquer les cuisses, on va se concentrer sur le ventre pour cette séance et on verra comment ça évolue. Je ne sais pas si c'est mon instinct de conservation ou je ne sais quoi, mais j'ai perdu toute confiance en elle. Donc je suis retournée voir ma généraliste en qui j'ai toute confiance et elle m'a dit tout de suite qu'elle n'était pas compétente pour ça. Elle a pris rendez-vous pour moi chez une dermatologue qui a diagnostiqué une mycobactériose. Ce diagnostic est sans appel. Une bactérie rongerait son corps. Cette infection est connue pour développer des abcès sur l'ensemble du corps si aucun traitement chirurgical n'est pratiqué. C'est donc une procédure d'urgence qui est mise en place. Catherine a désormais peur. J'ai subi une première intervention le 22 décembre. Et là, on m'a enlevé, je dirais, 5 ou 6 abcès. Mais parallèlement, les autres continuaient à apparaître. Les abcès se multiplient sur le corps de Catherine, localisés essentiellement sur les zones traitées par le docteur X. Au total, 3 interventions seront nécessaires à Catherine afin de retirer une centaine d'abcès.
Devant la gravité de la situation, les services hospitaliers alertent le médecin par deux courriers, en date du 21 décembre 2006 et du 6 janvier 2007. Malgré ces mises en garde, le praticien aurait continué à piquer ses patientes. J'ai cru que j'étais la seule patiente contaminée pendant un certain temps et il a fallu, je pense, trois bonnes semaines pour qu'on découvre qu'il y avait 14 autres patientes qui étaient contaminées, mais elle ne les a pas prévenues spontanément. Et c'est donc au total 15 victimes qui vont contracter cette bactérie. C'est seulement le 2 février 2007 que le Dr X envoie un courrier à ses patientes. Soit plus d'un mois après avoir eu connaissance de graves problèmes. Un délai lourd de conséquences. L'équipe de Sans aucun doute se penche sur l'affaire. Nous retrouvons deux autres victimes. Aurélia, 24 ans, et Carole, 34 ans, mère de deux petits-enfants. Voici leur témoignage. Je me suis aperçue début janvier d'une première lésion, enfin d'un premier abcès sur ma jambe. J'ai été la voir en lui disant, voilà, regardez, je ne sais pas ce que j'ai un abcès, qu'est-ce que c'est? Et donc elle m'a dit, non, a priori, c'est rien, on va repiquer dessus et je pense que c'est rien, c'est un bouton ou quelque chose comme ça. Aurélia nous explique comment le Dr X aurait réagi face aux problèmes rencontrés par la jeune femme. Je lui ai montré mes abcès. Elle m'a dit tout de suite que c'était peut-être une allergie à l'artichaut ou aux produits, en fait. Et elle a continué à me piquer dans les abcès, pensant les faire disparaître. Parce qu'en fait, elle me soignait, elle perçait mes abcès à l'aide d'aiguilles. Et en fait, elle vidait mes abcès et ça me soulageait. De nouveau, une allergie à l'artichaut est diagnostiquée, comme pour Catherine. Alors que les symptômes des deux jeunes femmes seraient identiques, le médecin ne s'alarmerait toujours pas. C'est dans ce contexte que celle-ci aurait continué à piquer ses patientes. Par la suite, j'ai su qu'elle était au courant bien avant de cette bactérie qui s'était développée dans son cabinet. Et donc bah là, après, le cauchemar commence. Carole et Aurélia ont été opérées 2 mois après la première intervention de Catherine. Aurélia a eu 24 abcès et Carole 12, localisés essentiellement sur le ventre, les cuisses et les hanches. Ce type d'opération laisse les plaies à vif pendant plusieurs semaines. Pour chacune de ces femmes, c'est une douleur horrible à supporter. Je restais comme ça, le plus possible immobile, parce qu'il faut savoir quand même que j'avais des abcès aussi sur les hanches derrière et qu'il ne fallait pas que je remue beaucoup. Ensuite, quand j'arrivais à me relever, c'est-à-dire que je me disais, bon, je vais aller me coucher, je serai quand même beaucoup mieux. C'était impossible de se déplier, c'était une horreur. Ça faisait des brûlures terribles dans les jambes, dans le ventre. Et je partais me recoucher en marchant comme une petite vieille, voilà. C'était vraiment très pénible, j'aurais jamais pensé ça. À présent, elles ne ressentent plus de douleur et leurs plaies se sont cicatrisées. Mais les conséquences sont désastreuses. Les corps de ces trois femmes sont mutilés. Voilà l'intérieur de ma cuisse droite. Alors ça, c'est sous la cuisse gauche. Donc pour vous asseoir, imaginez comme c'est très agréable. Voilà les traces de piqûres. J'ai beaucoup de traces de piqûres comme ça, des petits cratères à l'intérieur des abcès. C'était à vif, très douloureux. Voilà le ventre. Et voilà ce que ça donnait de face. Les séquelles sont à la fois physiques et psychologiques. Difficile pour elle aujourd'hui d'accepter cette nouvelle apparence. Quel gâchis. Quand je me vois dans le grand miroir de ma salle de bain, je me sens mutilée. Ça, c'est quelque chose qui maintenant va rester. Il faut que je m'habitue à ça et que ça change beaucoup de choses aussi. Je faisais beaucoup de natation. Et ben, maintenant, c'est compliqué. Se faire épiler les jambes, c'est quelque chose qui est simple pour une femme. Voilà, elle fait ça. Ben, moi, c'est compliqué. Donc, ces jupes que je ne peux plus mettre. Donc, comme j'ai des cicatrices au niveau d'ici, donc ça, c'est sûr, ces jupes je pourrais plus les mettre, quoi. C'est certain. J'ai fait de la mésothérapie parce que je voulais m'accepter dans mon corps, en fait. Oui, je voulais être plus jolie, plus être comme toutes les jeunes femmes, être plus mince. Et là, c'est tout le contraire. Aurélie.
Amalia est amoureuse depuis 4 ans. Sa vie affective est bouleversée. Son couple ne sera jamais plus le même. Guillaume, son compagnon, se confie. Voir sa copine mutilée comme ça, c'est pas non plus évident. Puis il faut être présent tous les jours. Faire ses soins le matin, faire ses soins le soir. Nettoyer les 26 plaies, refaire les pansements, refaire les bandages, etc. Que ça pouvait prendre 1 à 2 heures. Donc ouais, moi pour ma part, je l'ai assez mal vécu, et puis elle aussi, donc... Ma vie de couple, oui, en apathie, mais c'est sûr. C'est... Plus de relations sexuelles, plus de... Depuis ce drame, Carole est inquiète pour l'avenir. Cette infection que j'ai contractée, on ne sait pas dans l'avenir ce que ça peut, comment ça peut évoluer. Ça peut encore évoluer. Moi, je suis encore jeune, je voudrais encore des enfants, donc c'est difficile d'envisager un avenir compte tenu de cette maladie. Catherine est célibataire, sa vie sentimentale est réduite à néant. Je vais rayer de mon vocabulaire le mot plaire parce que je ne me plais plus du tout. Je crois que toutes les femmes qui m'entendront sauront de quoi je parle. C'est important de se plaire à soi-même d'abord. Moi, je sais ce qui m'est arrivé, je sais à quel point je suis mutilée, donc je sais que je ne me plais plus du tout. Donc je ne fais pas de rencontres, je ne cherche pas de rencontres et à la limite, je les fuis. C'est impensable pour moi d'envisager une vie amoureuse dans l'état où je suis. Les vies de ces trois femmes sont bouleversées. Selon elles, une seule responsable, le docteur X. Une enquête sanitaire a été ouverte. Que s'est-il vraiment passé? Le président de l'Association française de médecine et mésothérapie esthétique nous répond. Pour nettoyer un pistolet, l'a mis quasiment sous l'eau parce qu'il était un peu sale, la coque était sale. L'eau rentre et puis une fois que l'eau rentre, elle sort. Donc quand elle injectait, l'eau ressortait. Et puis effectivement, en piquant, elle faisait rentrer l'eau se répandait sur la peau du patient, elle faisait rentrer les germes. Son eau était en plus infectée par des mycobactéries, ce qui est à la limite une erreur médicale grossière. Mais c'est quand même très dommageable pour les patients qui ont été infectés. Selon ce spécialiste, le Dr X n'aurait jamais dû utiliser l'eau du robinet pour nettoyer son pistolet. C'est contraire aux règles d'hygiène élémentaire. Ça me paraît... Le béaba, de penser que quand on fait ce genre de médecine et qu'on introduit une aiguille dans la peau et dans le derme de patient, il est évident qu'on doit désinfecter, stériliser son matériel. Ça me paraît être le béaba et je ne comprends même pas qu'elle ne l'ait pas fait. Après s'être battues face à la maladie, ces trois femmes aujourd'hui doivent continuer de lutter pour que leur statut de victime soit reconnu. Catherine, équipée d'une caméra cachée, se rend au cabinet médical du Dr X. Elle souhaite obtenir des explications. Je voudrais savoir ce que vous avez fait exactement et les raisons pour lesquelles nous ne sommes pas indemnisés. Pour l'instant, moi, ce que me dit mon assurance, c'est que pour l'instant, ils ne refusent pas les indemnités. Ils veulent avoir les conclusions du CECLA. Moi, j'ai envoyé le dossier de tous les patients. Donc, ils sont au courant de tous les dossiers de la mutuelle. J'ai reconnu exactement tout ce qui s'est passé. Vous êtes d'accord quoi? Ah oui, vis-à-vis de votre assurance, vous êtes d'accord pour dire que c'est une erreur médicale? Ah, tout à fait, mais tout à fait. De toute façon, c'est les conclusions du Donc, eux, ils ont mené l'enquête à mon cabinet, donc en faisant des prélèvements d'eau, des prélèvements parce qu'il n'y avait pas d'aération, donc ils ont fait des prélèvements également de tout ce qui était poussière, des prélèvements de. Ils m'ont pris tout mon matériel, mon pistolet, c'est eux qui l'ont, c'est eux qui ont tous mes produits injectables, enfin bon, ils ont tout récupéré. Ils m'avaient dit que l'enquête serait longue, dès qu'on a les conclusions, je les envoie à ma mutuelle, et à partir de là, elle va vous recontacter. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. Parce que nous, on n'a eu aucune expertise, rien du tout. Ouais. Il s'est rien passé. Le docteur X reconnaît son erreur. Selon elle, son assurance aurait été alertée, la procédure d'indemnisation serait en cours. Rien n'est moins sûr, l'avocat des victimes réagit à ses propos. Pour toutes ces victimes aujourd'hui, malheureusement, on peut considérer que rien ne s'est fait, rien ne s'est passé. Nous n'avons absolument aucune décision de justice et encore moins un premier contact avec les compagnies d'assurance. Catherine voudrait savoir pourquoi le Dr X, alors qu'elle aurait été alertée et mise en garde par ses confrères, aurait continué à piquer les autres patientes. Je ne sais pas.
Mais si vous saviez... Non, je l'ai su. Je vais vous dire quand est-ce que je l'ai su. Je vais vous dire, franchement, ma responsabilité, elle y est, de toute façon. Je vais vous dire, moi, depuis cette période, de toute façon, je ne dors plus. Je suis suivie par un psychiatre, c'est extrêmement dur. Je reconnais... Et moi donc je le sais bien. C'est pour qu'est-ce ça que je t'ai... Mais sans 10 cicatrices à vie, moi. Madame Leclerc, c'est pour ça que je souffre. C'est parce qu'il y a tout ça. Souvenez-vous que la dermatologue qui m'a diagnostiquée vous a appelé au tout début. J'avais même pas encore vu le professeur... Oui, mais on ne savait pas qu'elle si, elle avait dit que c'était une mycobactériose et que c'était dangereux. Elle vous avait mis en garde. Tout à fait. J'ai fait probablement une erreur dans la... Pas probablement. J'ai fait une erreur dans la désinfection de mon matériel. Ça, c'est clair et net. Je n'aurais jamais dû faire ça. Les réponses du docteur X n'ont pas convaincu Catherine. Je suis très déçue parce qu'il est impossible de faire avancer le dossier, il est impossible de faire reconnaître nos droits. Donc elle nous promet que tout va se mettre en place pour les indemnisations, j'ai quelques doutes. Je vous dis, on est au courant de rien, personne ne nous dit rien, il ne se passe absolument rien. Si nous ne faisons rien, les mois vont encore passer et un jour on nous dira « mais non, mais ça y est, c'est fini, c'est pas grave, allez, vous allez oublier ». Non, c'est pas possible d'oublier. Aujourd'hui, rien n'a avancé. Même par rapport à la compagnie d'assurance, on n'a eu aucune nouvelle. Donc, je m'efforce à penser qu'elle n'a rien fait et qu'elle se fout de nous depuis 8 mois. Aujourd'hui, ces trois femmes souhaitent être indemnisées pour tenter de tourner la page. En tant que femme, c'est très difficile. J'arrive très difficilement à gérer. Même encore aujourd'hui, c'est vrai qu'on se cache un peu derrière du maquillage, derrière les habits. Mais tous les jours, enfin, forcément, 2-3 fois par jour, je me vois et c'est dur, très dur. Tu sais, d'oublier, ouais. Il faut, de toute façon. On peut pas oublier parce qu'on a les marques sur soi, mais psychologiquement, ouais, c'est... Ce médecin a été et est toujours très légère dans la mesure où elle a quand même brisé nos vies. Les conséquences de cette tragédie sont désastreuses pour nos témoins qui sont meurtris dans leur chair et les souffrances qu'endurent Aurélia, Carole et Catherine sont insupportables. Sur le plateau, l'émotion est vive. Quand nous sommes habillés, ça ne se voit pas, mais nous, on le sait, et ça ne nous quitte pas. Le fait d'aller à la piscine avec un caleçon jusqu'au genou, ça peut passer pour une originalité. Mais effectivement, les gens nous regardent, mais bon, moi, je sais que c'est obligatoire, donc j'ai l'impression que les gens le savent aussi, ça me mettrait mal à l'aise. Bien sûr, notre vie est brisée, c'est... Je me sens moche, on n'est pas belle, on est... On est mutilés, on a des cicatrices, c'est pas beau, c'est... Le fait d'en reparler, de... On peut pas oublier, c'est pas possible. Au-delà de cette terrible catastrophe, ces femmes se posent toutes la même question angoissante. Comment va évoluer l'infection bactériologique dont elles ont été les victimes ? L'aspect physique est plus que désagréable, évidemment, on en a déjà parlé, mais depuis quelque temps, en parlant entre nous, on s'aperçoit que ça nous démange beaucoup. Les cicatrices nous démangent. Alors, on ne sait pas du tout si c'est une réaction normale suite aux opérations ou choses comme ça, ou si c'est une suite, on ne sait pas. Les médecins essaient de nous rassurer, mais le problème, c'est que même eux ne savent pas du tout où ça peut aller, donc... Cela fait maintenant 8 longs mois qu'Aurélia, Carole et Catherine attendent d'être reconnues comme victimes. Le médecin, au centre de cette affaire, est responsable de l'erreur et il le reconnaît. Pourtant, aucun dédommagement, aucune indemnité n'a été proposé. Dans le reportage, on voit bien qu'elle reconnaît, mais disons que depuis 8 mois, on n'a aucune nouvelle, on n'a pas de suite par rapport à ce dossier et on est au courant de rien. Je la trouve fautive, puisque ça a été une succession d'erreurs. Et donc aujourd'hui, évidemment, je ne peux que lui en vouloir. Et on a envie, pour pouvoir un peu tourner la page, d'être reconnue en tant que victime et d'avoir une indemnisation par rapport à ce qu'on a subi aujourd'hui. C'est évident. Ouais, on n'aurait jamais dû la rencontrer, c'est sûr. Pour éclairer le débat, le docteur Dominique Courtois, notre expert médical, nous explique avec la plus extrême précision les erreurs qui ont été commises par la mésothérapeute. Écoutez, quand ces personnes m'ont contacté, qu'elles m'ont raconté leur histoire, j'ai pas voulu le croire, parce qu'à notre époque, si vous voulez, c'est inconcevable. Dans un cabinet médical, rincer des instruments qui vont au contact de la peau
avec l'eau du robinet ou mélanger l'eau du robinet avec un produit antiseptique, c'est inconcevable. D'ailleurs, toutes les descriptions, vous dites, vous allez sur Internet, dans ce type de mésothérapie, surtout, tout est jetable. Les seringues, les aiguilles, les gants, les compresses. Et quand c'est un pistolet, à part le pistolet, tout est jetable. Et le pistolet, bah, il faut au moins le stériliser, puisqu'il va au contact de la peau de chacune des patientes. Sinon, ce qui s'est passé, bah, vous injectez le produit. Et ce qui est plus grave, parce que moi, ça encore, si vous voulez, je l'admettrai, c'est que cette personne, ce médecin, savait depuis fin décembre qu'il y avait un problème, qu'il était très grave. Et elle a continué à faire donc ce traitement pendant au moins un mois. Et pour certains, alors ça, je crois que c'est la cerise sur le gâteau, on a piqué sur les abcès. À la limite, pour disséminer un petit peu plus, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que ça a fait? Simplement, ça fait drainer les abcès. Et elle a continué à me piquer dans les abcès, pensant les faire disparaître. Parce qu'en fait, elle me soignait, elle perçait mes abcès à l'aide d'aiguilles, et en fait, elle vidait mes abcès, et ça me soulageait. Et alors là, je trouve que la gestion de la crise est totalement scandaleuse, et honnêtement, hein. Je pense que c'est de l'incompétence. Enfin, je vais employer ce terme et j'assume le terme. C'est de l'incompétence. Ne pas savoir qu'on lave des instruments sous l'eau du robinet. Sinon, je vais vous dire, les hôpitaux et les cliniques feraient des économies. On laverait tout à l'eau du robinet, ça coûterait moins cher que de stériliser. Avant de téléphoner à ce médecin, Gérard Michel, notre avocat, tient à préciser un point important du dossier. Il y a une chose stupéfiante, c'est que non seulement il y a l'incompétence dont parlait le docteur Courtois, mais il y a en plus une irresponsabilité étonnante. Le 21 décembre, les hôpitaux de Paris écrivent à tous les médecins concernés et notamment aux mésothérapeutes en écrivant ceci. J'ai vu madame, donc c'est Catherine, qui présente une forte suspicion cutanée à mycobactéries dans les suites d'une mésothérapie à visée esthétique. C'est-à-dire, l'hôpital écrit le 21 décembre, il y a des problèmes bactériens, ça vient de ce problème de chirurgie esthétique. Non seulement le médecin ne fait rien, ne se pose pas de questions, mais il reçoit les autres. Notre ami qui est là, par exemple, c'est au mois de janvier que les ordonnances sont délivrées, c'est-à-dire elle ne prend aucune mesure. Alors, il y a deux choses. Soit on arrive avec l'assureur de ce médecin à trouver une solution pour une indemnisation. Sinon, il y a trois responsabilités. Il y a une responsabilité civile. L'assurance payera, parce que la faute est évidente. C'est pas seulement un manquement d'obligation de moyens, c'est une faute. Il y a une responsabilité pénale, en tout cas à partir du 21 décembre. Parce que c'est une mise en danger, sachant qu'il y a un problème qui se pose. Et puis, il y a un problème ordinal, parce que je pense quand même qu'on peut demander au Conseil de l'Ordre comment se fait-il qu'un médecin rince les instruments avec l'eau du robinet et ne fait rien quand l'hôpital attire son attention. Notre premier appel est naturellement réservé à ce médecin mésothérapeute. Nous souhaitons lui poser des questions quant à ses pratiques médicales. Nous voulons également savoir s'il a pris contact avec son assurance afin de provoquer au plus vite une indemnisation pour nos témoins. Allô ? Bonjour, excusez-moi de vous déranger, docteur Courtois à l'appareil. Oui, bonjour. Je vous appelle, je suis sur le plateau de l'émission Sans aucun doute de Julien Courbet sur TF1 et dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de l'émission, je tenais à vous appeler pour avoir un petit peu des renseignements sur ce qui s'est passé. Je crois que vous avez une complication dans votre cabinet. Il y a plusieurs personnes qui ont eu des problèmes. Est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu? Donc là, vous n'appelez pas directement le médecin qui s'occupait d'eux? Ça serait peut-être plus simple, non? Alors, attendez, Julien Courbet, l'appareil. Bonjour, madame. Pardonnez-nous de vous déranger. Nous, ce qu'on essaie de savoir, pour ne pas dire de bêtises, et c'est pour ça, madame, qu'on se tourne vers vous, parce que je ne peux pas laisser dire des choses sans avoir la version opposée. C'est vous qui avez pratiqué les injections c'est sur ces dames. Moi, fait, c'est de la mésocellulite. Enfin, c'est compliqué, parce que c'est déjà tellement dur pour moi. J'ai beaucoup de mal à me reconstruire, et bon, alors c'est un petit peu difficile. C'était de l'eau qui était infectée au sein de mon cabinet. J'avais un pistolet de mésothérapie que j'avais acheté pour lequel on m'avait dit qu'il y avait une norme CE alors qu'il n'y avait pas de norme CE. Et il n'y avait pas de dépliant de désinfection.
Donc, j'ai téléphoné à des collègues, c'est là où j'ai commis l'erreur, en leur demandant comment ils faisaient pour le nettoyer. Ils m'ont dit, tu prends un produit désinfectant et tu le mélanges à l'eau et tu pourras comme ça le nettoyer. C'est ce que j'ai fait, mais l'eau était infectée. Et en injectant mes patients, bah, y a des gouttes d'eau qui sont tombées sur la peau et comme ça, multiponcture, c'est comme ça que j'ai infecté mes patients. Excusez, avec une mycobactérie atypique contenue dans l'eau. Alors, Carole, voilà. Quelle une des patientes a réagi quand vous avez dit, c'est déjà dur pour moi, j'ai du mal à me reconstruire? Aujourd'hui, c'est nous qui avons des marques, docteur, et c'est nous... Je le sais très bien. Non, mais attendez, laissez-moi parler. Je pense à vous tous. Oui, mais arrêtez de dire que vous pensez à nous, c'est pas possible. Je vous ai adressé tout de suite au professeur. Ah, ce que vous dites, c'est encore pire. Et je suis venue vous voir. Et comment ça se fait? Comment vous expliquez? Comment vous expliquez? Attendez, comment vous... Je m'excuse pas du tout de... Non, mais attendez, laissez-moi parler. Je suis responsable et que j'aurais dû faire attention à la CE et faire attention. Oui, mais comment vous expliquez? Comment vous expliquez? C'est pas possible. Comment vous expliquez que vous avez continué à me piquer en janvier alors que forcément en décembre vous étiez déjà au courant de ce qui se passait? Comment vous expliquez ça? Mais non, j'ai pas été au courant en décembre. Mais attendez. Le 17 janvier. Le 17 janvier, quand je suis rentrée de Lille, j'étais à une formation médicale. C'est pas possible. Catherine a été... J'ai appelé la patiente, la première patiente qui avait des lésions, et elle m'a dit, ça y est, on fait enfin ce que j'ai. J'ai deux mycobactéries atypiques, et voilà le monsieur qui s'occupe. Oui, bonjour madame, je suis... C'était un vendredi, et le lundi matin, je lui ai téléphoné, et je lui ai adressé les deux patientes que j'avais au cabinet qui présentaient les mêmes lésions le jour même. Madame, excusez-moi, je suis Catherine. Vous savez très bien que la dermatologue qui m'a diagnostiquée... vous a téléphoné pour vous prévenir tout à fait, que... Elle avait une suspicion. Oui, mais elle vous a demandé, elle vous a demandé la plus extrême vigilance quant aux autres patientes en vous prévenant que j'avais une mycobactériose, ce qui n'est pas anodin. Voilà les traces de piqûres. J'avais beaucoup de traces de piqûres comme ça, des petits cratères à l'intérieur des abcès. C'était à vif, très douloureux. Voilà le ventre. Et voilà ce que ça donnait de face. Malgré cela, vous avez continué à les piquer. C'est pour ça que j'aimerais savoir qu'est-ce que Madame, vous allez faire pour nous. Vous saviez très bien que quand votre dermatologue m'a appelé, on en a parlé il y a deux jours à mon cabinet. Quand votre dermatologue m'a appelé, elle avait une suspicion de mycobactérie. J'ai téléphoné au président de la société de mésothérapie en lui disant la suspicion. Il m'a dit, t'inquiète pas, c'est pas possible. On en a eu il y a longtemps en mésothérapie. On n'en a plus. Ça n'a pas été confirmé au prélèvement. Donc, il n'a aucune preuve de cette infection. D'accord, mais aujourd'hui... Voilà. Et dès que j'ai eu la preuve de cette infection, j'ai arrêté mon activité. J'ai prévenu toutes les patientes, j'ai envoyé une lettre à tous mes patients leur expliquant que j'avais eu des cas de mycobactéries au cabinet et j'en ai renvoyé une autre au mois d'avril. D'accord, mais aujourd'hui... En janvier et en avril. Madame, est-ce que vous avez... Tous mes patients, madame. À quel moment avez-vous prévenu votre assurance? À quel moment avez-vous prévenu votre assurance? Mon assurance a été prévenue avec vous parce que c'était le premier cas. Donc dès que j'ai eu les prélèvements, je l'ai prévenue. Ça devait être vers le 20, 21 janvier, dès que j'ai su... Non, décembre, décembre. Non, mais je n'avais pas les résultats des prélèvements. Les prélèvements, c'est vous qui en avez parlé. Ah, d'accord. Alors, les résultats, on les a eu le 23 janvier. Pour être concret, madame. C'est mon activité. J'ai arrêté de travailler. J'ai envoyé une lettre à tous les patients qui ont eu de la mésothérapie au cabinet. À tous les patients. Et j'en ai renvoyé une autre lettre au mois d'avril. Oui. Bonjour madame, maître Michel, je suis un des avocats de l'émission. J'ai deux questions à vous poser. La première est la suivante. Lorsqu'il y a eu cette alerte sur Catherine par l'hôpital, où vous avez dit qu'il y avait des suspicions de problèmes bactériologiques, pourquoi est-ce qu'à titre de principe de précaution, vous n'avez pas simplement, puisqu'on ne savait pas, effectivement, on n'avait pas les résultats, on ne savait pas d'où ça venait, pourquoi vous n'avez pas arrêté complètement? Excusez-moi de vous couper, on avait des résultats, les premiers prélèvements qui ont été effectués sur votre patiente, madame Catherine, étaient revenus négatifs. Moi, je les ai au cabinet, et comme ils étaient revenus négatifs, j'avais pris la peine d'appeler le président de la Société française de mésothérapie, où j'ai effectué ma formation, il m'a dit, ne t'inquiète pas, les résultats sont négatifs. Non, excusez-moi de vous couper, les résultats ne sont pas revenus. Revenu négatif à la première opération du mois de décembre. Non, ils n'ont pas déterminé avec précision qu'il s'agissait d'une certaine bactérie dont le nom est Kélonée. Mais par contre, il y avait une bactérie déjà. Les résultats que vous aviez effectués à Créteil au mois de décembre étaient négatifs. Non, pas négatives, pas négatives. N'oubliez pas que vous avez, paraît-il, mon dossier médical. Il vous suffit de le regarder. Vous verrez que la bactérie était présente, mais nous ne savions pas que c'était Kélonée.
Catherine a raison. Une fois encore, sur cette lettre en provenance de l'assistance publique datée du 21 décembre 2006 et directement adressée au mésothérapeute, il est inscrit noir sur blanc que Catherine présente une forte suspicion cutanée à mycobactéries atypiques dans les suites d'une mésothérapie à visée esthétique. Malgré cet avertissement, le médecin a continué à piquer ses patients. Et aujourd'hui, docteur, s'il vous plaît, ce qu'on veut de nous, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous... D'accord, madame, on a bien compris. Ça, madame. Non, aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Écoutez la question. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Ça fait 8 mois qu'on fait des démarches et aujourd'hui, rien n'a été fait. On n'a pas été indemnisé. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire pour nous? Et que votre assurance ne fait rien. Votre assurance ne fait rien, en l'occurrence. À qui je dois répondre, je ne sais pas. Quelqu'un est au téléphone, là? Alors, vous avez, sur le plateau, il y a le docteur Courtois, les avocats de l'émission, notamment Gérard Michel qui vous a parlé, et il y a Aurélia, Catherine et Carole. D'accord. Voilà. Là, c'est Pour les indemnités, je vais répondre. Ce n'est pas de mon domaine, mais comme il a été reconnu effectivement une faute dans la désinfection de mon pistolet, de toute façon, effectivement, les patients doivent être indemnisés, de toute façon, c'est clair et net, de la part de mon assurance. Le problème, c'est que les conclusions du Séclin ont eu lieu vendredi dernier, juste vendredi dernier. Donc, il faut attendre qu'on récupère les papiers et que tout le monde se mette en... C'est très long, mais ça va être assez rapide maintenant, puisque le dossier est clos. Juste un mot, madame, parce que je voudrais donner la parole à Aurélia. Vous avez entendu ça, Aurélia, est-ce que vous trouvez que ça va assez vite, pas assez vite? Ça fait pas assez vite, ça fait 8 mois qu'on attend. Aurélia, je sais très bien. Je suis tellement désolée de cette histoire. Je suis vraiment... Je n'en dors pas la nuit. Mais arrêtez. Allez-y. Mais arrêtez, c'est nous aujourd'hui qui avons des mains. Dites pas que vous dormez pas, c'est nous qui dormons pas, c'est notre vie qui a été bouleversée par la vôtre. Non, vous le savez pas. Si aujourd'hui vous le saviez, mais d'accord, mais on s'en fout que vous reconnaissiez. Nous aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est être indemnisé, c'est tout. J'ai bien compris. Comment vous expliquer qu'au bout de 8 mois, votre compagnie d'assurance, elle n'ait même pas été vers nous? J'ai envoyé tous vos dossiers à mon assurance professionnelle. Oui. Demandez vos dossiers médicaux, je vous les ai donnés, je n'ai rien caché. J'ai envoyé au plus vite dès que j'ai su, j'ai envoyé tous les dossiers des patients atteints. Maintenant, effectivement, ça se joue avec les assurances et je ne peux pas être responsable des délais. Non, mais il y a une chose très simple. Docteur Courtois, qu'est-ce que vous... Vous avez fait une déclaration d'accident à votre compagnie d'assurance. Bien sûr. Elle vous a répondu. Donc elle vous a écrit. Bien sûr. Donc vous êtes en mesure de nous faxer votre courrier avec le numéro ligne directe de la personne en charge du dossier. Alors, je ne sais pas, peut-être que je l'appelle pour savoir si elle est d'accord, mais... Attendez. Si vous avez fait ce que vous dites, c'est très simple. Je connais bien votre assurance. Vous avez fait une déclaration à recommander. On l'a accusé réception. Et vous avez le nom de la personne en charge et le numéro. Si vous êtes de bonne foi, vous faxez maintenant. Son nom, je le connais par cœur. Effectivement, ce médecin va faire preuve de bonne foi en nous fournissant les références de son assurance, ainsi que les coordonnées téléphoniques de la personne en charge de son dossier au sein de la compagnie. Sur le plateau, néanmoins, l'amertume est grande, la douleur est profonde et la guérison sera longue. Aurélia. Moi, je veux juste lui dire que voilà, on est quand même 16 victimes et ça a bouleversé notre vie et j'ai l'impression qu'elle s'en fout, quoi. Mais arrête, Aurélia, tu me connais bien, pourtant. Comment tu peux dire ça? C'est vrai, je te connais bien. C'est horrible. Tu me connais bien, je comprends pas comment tu peux dire ça. Mais parce que ça fait depuis le mois de mars qu'on n'a pas de nouvelles de toi. C'est horrible. C'est ça, vas-y, pleure, t'as raison. Madame, vous pouvez comprendre que ces dames aient cette réaction. En plus, Aurélie, qui, elle, je crois, a eu d'autres complications, elles ne comprennent pas pourquoi ça prend autant de temps. Je pense qu'à un moment donné, madame, vous, en plus, vous avez la franchise de dire ce qui s'est passé. Et ça, c'est tout à votre honneur. Hein. Vraiment, c'est tout à votre honneur. Mais je pense qu'à un moment donné,
quand on appelle son assurance et qu'on leur dit voilà, c'est moi, j'ai fait une faute, il n'y a pas à tergiverser, j'ai fait ça, mais ça et ça. Rien, vous le savez très bien comment ça se passe avec les assurances. Vous savez très bien comment ça se passe. Votre parole, elle n'a aucune valeur parce qu'il va y avoir des preuves écrites. Et moi, quand j'ai été au courant de cette histoire, j'ai tout de suite prévenu parce que je comprenais pas d'où ça venait. J'ai appelé le C1, qui est celui qui s'occupe des infections de l'hôtelière. J'ai appelé la date. J'avais ouvert mon cabinet pour une enquête. Et il fallait attendre de la part de l'assurance que les conclusions de la date du CETNA. Les conclusions sont tombées vendredi. À quel moment avez-vous arrêté de faire des actes de mésothérapie et de rincer les seringues, enfin l'appareil au robinet? J'ai été en janvier, puisque la première semaine... Enfin, j'ai été au courant par madame le 17 janvier quand je rentrais de Lille. Le lundi matin, je prévenais la date et le CETNA qui sont venus prendre mon pistolet et faire les prélèvements au sein de mon cabinet. Bernard Sabat, consultant. Docteur, je pense quelque chose qui est très importante pour ces dames-là, vous avez reconnu justement votre faute et je crois qu'elle n'est pas il n'y a pas de doute là-dessus. Ce qui est ennuyeux, c'est que vous avez au plus fait des dépassements d'honoraires. Je pense qu'il aurait été souhaitable pour ces gens-là que vous fassiez un geste, vous, à titre professionnel et quelque part à titre commercial. Quand on a un remboursement de la sécurité sociale qui est aux alentours de 20 euros et que vous avez pris des honoraires aux alentours de 40 euros, il y a un différentiel de 18 à 20 euros. Je pense que la démarche, elles auraient énormément apprécié justement la difficulté dans laquelle elles étaient d'un remboursement. Au-delà de ça, je pense qu'elles ont envie d'entendre... Je n'étais pas au courant de ça. D'accord, bon. Je le rembourserai. Oui, oui. Mais au-delà de ça, je crois qu'elles ont envie d'entendre... Il n'y a pas que l'argent. C'est ce que vous m'avez dit en tout cas. Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre de cette dame? Il faudrait qu'elle reconnaisse que nous sommes des victimes, qu'à chaque fois qu'on a parlé ensemble au téléphone, enfin, je ne parle que pour moi, j'ai beaucoup... souffert qu'elle se place, elle, en tant que victime. C'est-à-dire, elle me disait qu'elle ne dormait pas, qu'elle avait des gros problèmes dans son couple et tout ça. J'étais tellement hallucinée parce qu'elle me disait que je n'osais pas lui dire que moi, c'était bien pire. Parce que moi, je sortais de l'hôpital, que je venais de me faire opérer. J'ai eu 3 anesthésies générales. J'ai eu 110 plaies. J'ai eu 3 mois de perfusion matin et soir. Tout ça pour avoir croisé sa route. Donc, je veux qu'elle nous reconnaisse en tant que victime et je veux qu'elle arrête de se plaindre, qu'elle fasse toutes les démarches possibles qui lui incombent pour que nous soyons indemnisés au plus vite et que nous essayions de tourner la page. Et puis, j'aimerais aussi qu'elle cesse définitivement ses pratiques de mésothérapie. Peut-être c'est un rêve, parce que j'aimerais beaucoup que d'autres patientes n'aient pas à subir le cauchemar. J'aimerais que d'autres patientes n'aient pas à subir le cauchemar que nous avons vécu. Et manifestement, vous avez traité les choses avec un peu de légèreté. Bon. Est-ce que, Carole, vous comprenez le désarroi de cette dame au téléphone? Non, pas du tout. Elle se met, elle, en tant que victime. Aujourd'hui, c'est nous les victimes. C'est nous qui avons subi toutes ces opérations. Aujourd'hui, c'est plaies. Notre vie qui a été également chamboulée, une vie familiale bouleversée. Et aujourd'hui, je ne comprends même pas qu'elle puisse pleurer. C'est que du cinéma. Donc, faut arrêter. Aujourd'hui, on est sérieux. Nous, ce qu'on veut, c'est être indemnisée et qu'elle fasse le nécessaire, qu'elle fasse plus de choses, qu'elle remue plus de choses, s'il le faut, pour que nous, victimes, bon, on soit indemnisées. Alors, madame, moi, j'ai bien compris votre désarroi et que tout ceci vous tombe dessus. Bon, et maintenant, vous avez une façon formidable de montrer votre bonne foi. Là, vous êtes au tennis, on ne va pas vous embêter plus longtemps avec vos enfants, mais est-ce qu'on peut se donner un rendez-vous téléphonique où on appelle ensemble l'assurance, de manière à ce que ces dames qui sont autour de moi puissent entendre de votre bouche la phrase suivante à l'interlocuteur de l'assurance: je suis responsable, j'ai commis une erreur, donc il n'y a pas à tergiverser, je vous demande instamment de tout lancer pour le remboursement de ces dames. Mais c'est du cinéma, tout ça, vous savez très bien comment ça se passe. Mais c'est pas du cinéma. Bon, madame. Je vous demande instamment, mais qu'est-ce que ça veut dire? Oui, j'ai fait le nécessaire. Non, mais c'est moralement, madame, madame. Madame, techniquement, écoutez-moi, madame. Dans un procès, quand il y a une victime qui est décédée, qui est un tueur, évidemment, la famille, elle attend réparation, mais elle attend à un moment donné du repenti, une phrase qui va l'apaiser. Je sais bien que c'est pas ça qui va changer, mais au moins, elles seront sûres, elles, ce soir, quand elles vont s'endormir, que vous avez dit à l'assurance, je veux que vous les remboursiez, parce que là, elles en doutent encore, qu'elles l'entendent et que la personne de l'assurance l'entende. Après que la personne de l'assurance, elle dit, c'est pas aussi simple, il faut, c'est autre chose, mais elles vont l'entendre et ça va changer beaucoup de choses, madame. Alors, est-ce que vous êtes prête à le faire? Mon assurance est au courant, moi je suis prête à faire, mais ça, après ça va s'arrêter là? Peu importe, peu importe, après c'est notre boulot. Si ça s'arrête là, vous inquiétez pas. Mais est-ce que vous êtes prête à dire devant ces dames, à l'assurance,
ce que j'ai fait, ça n'a même pas à être analysé. J'ai fait une erreur, il faut que vous remboursiez Gérard Cello. Est-ce que vous êtes prête à le faire? Mais bien sûr, mais ils sont au courant, je leur ai dit. Non, mais okay, peu importe qu'ils soient au courant, à quelle heure on peut le faire? Mais le problème, c'est qu'ils s'en fichent de mes paroles. Ce qu'ils veulent, c'est les conclusions du séquestre. Madame, ne faites pas celle que. Madame. Je vous ai dit oui. Oui, bon, ben voilà, mais ne me redites pas après, c'est sympa. Je sais bien que ça ne marche pas comme ça. Je vous demande simplement pour elle, même si ça ne sert à rien du tout, est-ce que vous êtes d'accord de le faire et d'appeler l'assurance avec nous et de leur dire ça, c'est tout? Il n'y a pas de souci. À quelle heure on peut le faire? Bah quand vous voulez, je vais rentrer chez moi dans 5 minutes, quand vous voulez. Est-ce qu'on peut se dire, et puis c'est tout, et après c'est l'assurance qui fera le reste, on peut se dire qu'on se fait ça avant midi, vers midi moins 5, vous rentrez vers quelle heure? Je suis chez moi dans 5 minutes. Bon, un dernier mot, Maître Michel? Oui, docteur, moi je voudrais vous dire deux choses. D'abord que ça vous fera du bien, moralement, pour vous, pour faire le deuil aussi, parce que vous ne supportez pas cette image que vous vous donnez et que vous donnez aux autres de l'exercice de votre profession, ça vous fera du bien d'avoir concouru à leur réparation. Vous aussi, vous pourrez tourner la page. Puis il y a une deuxième chose. Vous avez dit qu'il y a les résultats qui sont tombés vendredi, qui techniquement règlent le problème. Il ne faudrait pas que l'assurance traîne encore. Donc si on a la foi et les résultats et votre intervention, je pense que l'assurance pourra indemniser. On est d'accord ? Bon, je vous appelle, je compte sur vous, madame. Vous avez été jusqu'à présent vraiment d'une grande franchise et de bonne foi. On vous appelle vers moins 10. Il y a pas de souci. Allez, vous êtes gentille, madame, et pardonnez-nous encore pour tout ça, mais vous le savez, c'est aussi pour ça que... Ah, bon, elle a raccroché. On commence à discerner les souffrances qu'ont endurées nos témoins depuis l'intervention de ce médecin. Des traitements lourds et quotidiens. Des moments de détresse absolue, le sentiment que rien ne sera plus jamais comme avant. Pour les couples, des frustrations et de graves remises en question. Et pour les célibataires, des envies de rencontre repoussées pour longtemps. Ma vie de couple, oui, on a pâti, mais c'est sûr. C'est plus de relations sexuelles, plus de... Avec mon mari, c'est pas facile non plus. C'est vrai que moi, en tant que femme, je me sens un peu... c'est difficile, très difficile à vivre. Je vais rayer de mon vocabulaire le mot « plaire » parce que je ne me plais plus du tout. Elle exerce toujours, donc pour moi, c'est pas sincère. C'est tout. Mais sur tout ce qu'elle a dit, sur tous ses arguments, sur est-ce que vous avez entendu des paroles qui vous ont apaisé? Ça m'apaisera jamais, donc de toute façon, voilà, c'est tout. Carole? Non, moi, ça m'a pas apaisé, ça m'énerve encore plus. Parce que tout ce cinéma, elle nous l'a fait depuis le début. Depuis le début que ça s'est déclaré. Les différentes opérations qu'on a pu subir, donc elle a toujours eu ce discours avec nous. Donc non, moi aujourd'hui, j'ai pas de peine pour elle. Aujourd'hui, c'est nous, notre dossier, et je veux en finir. Et vous aussi, Catherine, vous pensez qu'il n'y a pas de sincérité? Parce qu'on pleure pas quand même sur commande comme ça. Bon, il y a des gens plus ou moins émotifs. Je pense qu'elle en fait partie. Elle pleure facilement. Je vous dis, je l'ai eu en larmes à plusieurs reprises au téléphone. J'étais un peu sonnée pour être vindicative vis-à-vis d'elle. Et puis, il faut dire qu'au début, je pensais que ce qui m'avait rendue malade, c'était le produit. Donc, je lui disais, écoutez, docteur, tant que je n'ai pas la preuve que vous êtes responsable, je n'ai pas de raison de vous en vouloir. Si effectivement, c'est le produit, vous n'êtes pas dedans. Mais c'est moi qui devais la rassurer. Donc, au bout d'un moment, je lui ai dit, cessez de m'appeler, je crois que ça ira mieux comme ça. Oui, je pense quand même qu'elle est sincère. Il ne faut pas non plus... C'est des êtres humains, les médecins, et je pense qu'elle est sincère, mais elle est complètement dépassée. Car quelqu'un qui vous dit, j'achète du matériel, il n'était pas conforme, et je ne savais pas comment il fallait le nettoyer, c'est que déjà, manifestement, elle n'était pas très, très top dans sa spécialité. Je pense que toute la suite est la même chose. Elle est dépassée, elle avertit l'assurance, elle ne s'est jamais occupée. Donc l'assurance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle attend, hein. De toute manière, elle sait qu'elle va payer un jour, le plus tard sera le mieux. Oui, ce qui me trouble un peu, c'est qu'elle n'a pas la dignité que vous avez vous-même. Donc c'est vrai que cette distorsion est un peu insupportable, surtout pour vous. Mais je pense que cet après-midi, elle va, j'espère, avoir une réaction professionnelle et cette fois-ci arrêter de se lamenter et y aller et faire front avec vous vis-à-vis de l'assurance. À
alors qu'on se prépare à contacter la compagnie d'assurance. Sur le plateau, l'émotion est encore vive. On veut revenir sur les événements qui viennent de se dérouler. Incroyable, hein ? Ah, c'est une drôle de... Mais bien sûr. Bien un peu privilégié. Et ce qui l'a beaucoup détruite, c'est que... En fait, moi, je travaillais à 2 minutes de son travail. C'est une collègue qui m'a... Voilà. Et en fait, pendant un mois, elle m'a percé mes abcès, en fait. Donc c'est sûr qu'elle dit qu'on est proches, mais en fait, on est... Et c'est-à-dire qu'elle savait que j'avais la mycobactériose et elle leur disait, c'est rien. Le coup de l'artichaut, elle nous l'a fait à toutes. Elle nous l'a fait en premier. C'est pour ça que j'ai du mal à... Non, mais les dates, elle les escamote à sa façon. Moi, je sais parfaitement comment ça s'est passé. Elle le savait depuis avant même que j'aille à la pitié salpêtrière. C'est plus une trahison, parce que... Oui, c'est ça. Bien. Et puis même, on sait aujourd'hui qu'elle continue. Donc moi, pour ça, je peux pas... Oui, la semaine dernière, Julien, elle fait encore de la mésothéliose. Ah oui, parce qu'elle a dit le contraire. Mais oui, bah oui. Non, la semaine dernière, on a fait téléphoner, prendre un rendez-vous chez mésothérapie. Moi, j'ai pu téléphoner ma mère, qui a pris un rendez-vous qu'elle lui donnait. C'est dur de retourner les rôles, parce que c'est du coup, arrêtez de faire du mal. Oui. C'est ça, en fait. Il ne faut pas exagérer. On ne veut pas lui faire du mal, on veut juste que... Juste qu'elle arrête d'exercer, que nous, on soit... Bon, allez, reposez-vous un petit quart d'heure et on réattaque. D'accord, merci beaucoup. Le moment est venu de parler à la compagnie d'assurance. Comme convenu donc, nous rappelons le médecin afin qu'il nous assiste dans notre démarche, mais un événement grave et totalement imprévisible nous attend. Oui, Julien Courbet à l'appareil, nous avions un rendez-vous téléphonique. La suite, dans un instant. Dans Sans aucun doute, nous étions avec Aurélia, Carole et Catherine qui ont été mutilées après un traitement de mésothérapie qui a mal tourné. Nous sommes sur le point de contacter la compagnie d'assurance qui pourrait les indemniser. Mais avant cela, nous avions rendez-vous au téléphone avec le médecin très fragilisé par cette situation. Son téléphone ne répond pas, nous sommes inquiets. Voici la suite de cette affaire. Oui, Julien Courbet à l'appareil, nous avions un rendez-vous téléphonique, on vous attend, vous nous aviez promis qu'on pourrait avoir ce dialogue maintenant, donc vous avez certainement eu un autre appel. Voilà, on attend, merci beaucoup. Donc Bernard, vous allez peut-être essayer, vous, comme nous n'avons pas réussi sur ce plateau à voir cette dame qui nous avait pourtant donné un rendez-vous téléphonique, vous essayez de voir si vous pouvez réorganiser un rendez-vous de votre côté ? Je fais de suite. Merci Bernard. Minutes se sont écoulées. Bernard Sabat revient sur le plateau, porteur de nouvelles assez décevantes. Bernard. Julien, donc je lui avais donc laissé un message. Elle m'a rappelé à peu près un quart d'heure après. Elle était encore dans une situation un petit peu délicate. Elle ne pouvait pas terminer ses phrases et c'est carrément son époux qui m'a parlé et qui m'a dit qu'après les conseils de son avocat, il était souhaitable qu'elle ne parle pas à l'assurance, car à ce moment-là, on pourrait venir la chercher en termes de responsabilité personnelle, ce qui lui poserait donc un gros problème. Donc elle est évidemment de tout cœur avec les patients, parce qu'elle a reconnu avoir fait beaucoup de bêtises là-dedans. Et je crois que le plus sage, c'est d'appeler donc l'assurance. Je pense que le docteur Courtois pourra vous le confirmer. Oui, dans ces cas-là, effectivement, si à trop avouer ses fautes quand on est assuré et médecin, on finit par plus être remboursé. Oui, si vous reconnaissez effectivement que c'est une faute grave, l'assurance peut se retourner vers le médecin et lui dire, bah, à ce moment-là, vous assumerez seul la responsabilité. Je voudrais quand même insister et vous le dire. C'est quand même rare de voir quelqu'un qui reconnaît quand même comme elle a. Je crois qu'il faut la laisser tranquille maintenant. Je pense qu'elle n'a pas su gérer, si vous voulez. Elle a déclaré à l'assurance, elle n'a pas su gérer les relations avec vous. Mais ça, les médecins ne sont pas formés à ça et je crois qu'elle n'a peut-être pas expliqué ce qu'elle avait fait. Elle ne vous a peut-être pas demandé pardon, mais je crois que ce qu'on a eu aujourd'hui, on peut quand même la féliciter parce que, entre deux pleurs, elle a quand même pris ses responsabilités. Peut-être, mais pour nos témoins, le problème reste entier. Les cicatrices sont là, le besoin d'être reconnu en tant que victime aussi. Or, pour le moment, la situation d'Aurélia, Carole et Catherine est au point mort, ce que nous confirme leur avocat. Pour toutes ces victimes aujourd'hui, malheureusement, on peut considérer que rien ne s'est fait, rien ne s'est passé. Nous n'avons absolument aucune décision de justice et encore moins un premier contact avec les compagnies d'assurance. Voilà sans doute ce qui explique la virulence de nos témoins et on peut les comprendre.
La journée est encore longue et cette affaire est loin d'être résolue. Le moment est donc venu de nous tourner vers l'assurance. Nous voulons joindre la personne qui maîtrise ce dossier, mais c'est finalement le service de communication de cette compagnie qui nous parle. Oui, bonjour, je suis au service sinistre. Non, vous êtes à la direction communication. Ah, très bien. Alors, je suis Julien Courbet, c'est l'émission Sans aucun doute. Oui, bonjour. Bonjour, madame. Nous sommes sur le plateau donc, de l'émission Sans aucun doute, avec les différents intervenants. Le docteur Courtois, notre spécialiste médecine. Je connais bien, oui. Voilà. Alors, nous traitons le dossier de trois dames qui sont là, qui ont eu un gros souci suite à de la mésothérapie avec un médecin généraliste que vous assurez. Et qui malheureusement a pratiqué cette mésothérapie sans prendre les mesures d'hygiène nécessaires, visiblement en rinçant à l'eau du robinet les instruments, ce qui font que tout ont été, alors je vous le dis dans mon langage, hein, bien sûr qu'il n'est pas celui d'un médecin, il y a eu de terribles complications, ça laissait beaucoup de traces. Donc aujourd'hui, apparemment, d'après ce que dit le médecin, vous avez été contacté, mais maintenant ces dames qui ont quand même été mutilées pour la plupart, n'ont aucune nouvelle et on essayait de savoir où en était le dossier. Oui, mais monsieur Courbet, vous savez très bien qu'on ne communique pas sur nos dossiers médicaux. Ah, que vous ne communiquez pas, moi, ça, madame, ça m'est égal, mais au moins en antenne, qu'elle sache quelque chose, là, il y a quand même... Et ces personnes, donc on écrit, on fait des démarches. Hein. Alors, docteur Courtois. De chez nous. Je vous passe au docteur Courtois. Bonjour, oui. Madame. Bonjour, oui, docteur. Je vous explique. Si j'ai bien compris, oui. Le docteur... mis en cause, vous a donc écrit pour faire une déclaration. D'accord. Et puis, ça fait 7 mois et ces personnes attendent et n'ont eu aucune nouvelle, ni du médecin, ni de vous. Et ils attendaient, ou vous attendiez, soi-disant, les résultats du séclin que vous avez eu la semaine dernière. Donc, la démarche d'aujourd'hui, si on est là, c'est parce que rien n'a été fait pendant 7 mois. Et ce qu'on vous propose, c'est une transaction amiable, mais dans des délais les plus raisonnables. C'est pour ça qu'on essaie de vous solliciter. Écoutez, donc je vais me renseigner concernant ce dossier parce que je n'ai pas tous les éléments. Bien sûr. Mais la chose là que j'aimerais savoir, c'est parce que j'entends un écho. Donc je suis quoi? Je suis enregistrée. Ah ben bah là on est. Oui, je voulais. C'est ce que je vous ai dit au début, madame, hein, qu'on oui. était sur le plateau de Sans aucun doute. Mais enfin, vu ce qu'on vient de se dire, c'est-à-dire absolument rien. Oui. Je pense... C'est pour ça. J'aime bien savoir. Ah mais dans quel cadre. Je vous l'ai dit au début de la conversation, madame. Oui, très brièvement. Donc, oh non, non, madame, je peux vous le faire écouter. Je vous ai dit, je suis Julien Courbet. Nous sommes sur le plateau de Sans aucun doute avec les intervenants habituels et le docteur Courtois, spécialiste de médecine. Oui. Et pour vérifier ce qui vient d'être affirmé, voici ce qu'a dit Julien Courbet au début de son intervention. Alors, je suis Julien Courbet, c'est l'émission Sans aucun doute. Bonjour, madame. Nous sommes sur le plateau donc, de l'émission Sans aucun doute avec les différents intervenants. Le docteur Courtois, notre spécialiste médecine. Que je connais bien, oui. Voilà. Que je connais bien, le docteur Courtois. Oui. On a déjà eu des dossiers, lui et nous, en cours. Hein. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je vous dis, monsieur Courbet, donc je vous le répète aussi, oui. c'est que dans tous les cas, nous ne communiquons pas sur madame, aucun dossier. Donc, je vous redis. Exactement ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure. Et donc nous parlons encore moins à l'antenne, si vous voulez, voilà. de ce donc, type de dossier. Je vais vous... Comme d'accord. vous le savez, nous sommes contraints. Bien. Alors ça, madame. Au secret médical. Madame, écoutez-moi. Comme exige, en fait, madame. De nos sociétaires. J'ai parfaitement compris. Je vais essayer de. Vous allez me dire si j'ai vraiment compris. Vous ne communiquerez pas sur l'antenne de TF1 ce dossier. Absolument, ça, oui. Tout le monde est clair. Voilà, oui. c'est pas le but de l'appel. Le but d'accord. de l'appel, c'est que ces femmes-là attendent depuis 7 mois, qu'il ne s'est rien passé, que le médecin dit « J'ai pourtant fait une déclaration à mon assurance ». Le médecin dit « Je ne comprends pas ce que fait l'assurance ». Puis on apprend que finalement, vendredi dernier, il y a eu un résultat d'un papier dont vous aviez certainement besoin d'une sorte d'expertise. Et que maintenant qu'il y a ce papier, il ne se passe toujours rien. Alors, est-ce que vous pouvez prendre contact bien hors sûr. Antenne bien ou sûr. Avec le docteur Courtois, il va vous donner son numéro de portable, oui, ou avec ses dames, simplement pour qu'elles sachent, parce qu'elles sont juste d'accord. désespérées, parce que dans le reportage, vous le verrez, elles sont quand même mutilées pour la plupart. Il y en a même une qui, je crois, a été infectée à cause d'un... C'est un reportage qui passe quand c'était quoi madame, elle a eu quoi hein 110 abcès. Oui, 110 cicatrices. Oui. Voilà, il y a une dame qui a 110 cicatrices. Enfin, bon, voilà, le reportage va passer dans les 15 jours à venir. D'accord, très bien. Vous me laissez le numéro du téléphone du docteur Courtois? Oui, on va vous le donner hors antenne. Ne bougez pas, quelqu'un va vous le donner.
D'accord. Alors, est-ce qu'il peut vous rappeler un petit peu plus tard quand vous aurez... Moi, je reprendrai contact avec le docteur Courtois. Hein. Oui, simplement, juste essayer de le rappeler cet après-midi, ne serait-ce que pour lui dire... J'espère que j'aurai eu le temps de voir les personnes concernées, mais je peux le rappeler ce soir. Hein. Voilà, juste pour lui dire déjà s'il y a vraiment eu une déclaration ou pas. D'accord, oui. Très bien. Docteur. Je voudrais simplement vous préciser, c'est que c'est vrai que j'en charge ces dossiers, donc je les suivrai jusqu'au bout. C'est pas uniquement m'appeler aujourd'hui, vous m'aurez en face de vous jusqu'à la fin, jusqu'à la résolution des dossiers. Mais oui. Puisque vous me connaissez bien, donc je préfère vous le signaler. Oui, mais je sais bien. Donc, écoutez, moi je vais voir de mon côté et puis donc nous reprenons contact. D'accord, merci. Voilà, au revoir. Au revoir. Dans Sans aucun doute, la ténacité est une de nos caractéristiques. Nous ne lâcherons pas nos témoins. Nous voulons que cet assureur nous dise ce qu'il compte faire pour Aurélia, Carole et Catherine. La réponse n'a pas tardé. Il s'engage à prendre en compte l'ensemble des dossiers. Pour Sans aucun doute, c'est une première victoire.